Bonsoir à tous et merci de nous avoir retrouvés, de nous rejoindre ici, Station Ozone, pour cette rencontre autour de Jean-Pierre Elkabbach et de son livre de souvenirs, j'allais dire de mémoire, hein, ce sont les mémoires, les rives de la mémoire, c'est le titre. Avec cette photo d'ailleurs dont on reparlera tout à l'heure parce qu'elle illustre bien le personnage. Alors pour tout vous dire, on se connaît un peu avec Jean-Pierre, on va se vous voir comme à l'antenne. Et on va commencer par le début, Jean-Pierre. Le début, c'est Oran. On découvre cette enfance dans cette ville algérienne au bord de la Méditerranée et qui est une enfance heureuse, disons-le, avec votre frère Max, avec Betty, la petite sœur, et avec deux parents, un père que vous admirez énormément, qui se prénomme Charles, et vous allez grandir comme ça au cinquième étage de la rue Bosquet, en famille, en tapant de temps en temps dans un ballon de foot. Ce papa est passionné, j'ai découvert ça, de sport, a eu des responsabilités à l'Olympique de Marseille, est devenu recruteur de joueurs. Il y aura comme ça toute une période heureuse, jusqu'à un drame qui intervient très tôt dans votre vie d'enfant. Votre père va subitement décéder, disparaître. Vous ne le reverrez plus quand il va rentrer dans sa chambre. Il est rentré de la synagogue. On le sort d'un taxi sur une civière. Et évidemment, ça va bouleverser complètement votre vie. Et vous aviez, je crois... 11 ans et demi. 11 ans et demi, ouais. Vous étiez petit garçon. Votre maman, qui est d'un courage absolu, va prendre le relais de l'éducation et apprendre aussi un métier, parce qu'à ce moment-là, eh ben, il faut subvenir aux besoins de la famille. Elle devient sténodactylo et elle est assez impressionnante, vous le racontez dans le livre. Elle n'oubliera évidemment jamais son mari, et il y aura même un deuil qu'elle va porter toute sa vie, et vous allez aller au cimetière régulièrement. Je résume tout cela parce que je sais la pudeur qui est la vôtre, et de toute façon, vous aurez l'occasion de lire cela dans cet ouvrage. Je voudrais qu'on en vienne tout de suite à ce que vous avez tiré de cette expérience-là, quand vous étiez solitaire, devant cette tombe, dans ce cimetière. Il y a une chose que vous avez puisée dans cette épreuve, et qui vous accompagne encore aujourd'hui, qui vous a accompagné toute votre vie. D'abord, merci de raconter d'où je viens, qui je suis. Et vous avez dit, les mémoires sont à la fois ma mémoire, mais la mémoire collective, parce que j'étais mêlé à des événements à partir du moment où j'ai commencé à faire le métier, jusque, en le faisant peu à peu, jusqu'à rencontrer ou des anonymes ou des gens qui ont été des chefs d'État à l'étranger ou en France. J'ai dû interroger 6 des 8 présidents de la République, sauf le général de Gaulle, qu'on n'interrogeait pas. Sauf vous, vous avez réussi quand même à lui dire quelques mots, mais ouais. Quand j'y avais posé une question, elle m'avait regardé de haut et me dit « Qui êtes-vous, mon petit ?» Donc, j'avais compris que ce n'était pas la peine d'insister. Et 6 présidents de la République, le président Pompidou, c'était une autre génération que la nôtre qui interrogeait, on était tout jeunes à l'époque. Et peu à peu, donc, j'ai rencontré, je disais, des anonymes, mais des scientifiques, des artistes, et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Et peu à peu, j'ai construit de cette façon à la fois mon itinéraire, ma vie, avec des hasards, des chances et des rencontres. Mais quand je dis c'est ma mémoire, mais c'est aussi la vôtre, parce que je traite d'événements que j'ai vus, que j'ai vécu, et qui apportent avec la distance, avec le temps, et qui prennent une dimension historique. Et je me suis donc permis de les raconter et qui illustrent aussi bien ce que j'ai fait que, j'ose pas dire, ce que nous sommes. Et parce qu'il y a beaucoup d'exemples dont nous parlerons. Avec une énergie, je reviens à cela, hein, parce qu'elle est fondamentale. Moi, je vous connais, je sais comment vous fonctionnez, qui tient... Faudra me dire comment je fonctionne. Vous avez été mon patron, j'ai quelques souvenirs. Non, mais là, il n'y a plus de patron, c'est des qualités. Cette énergie-là... Parce que justement, quand on interrogeait quelqu'un même, et des chefs d'État... Même si on était timide ou réservé, qu'on tremblait avant d'aller le voir, on prenait sur soi et on y allait en le regardant droit dans les yeux, quel qu'il ait été, Mandela, que j'admirais, Gorbatchev, que j'admirais parce qu'il a été un élément très important dans la rupture et le changement de ce qu'était l'Europe et peut-être même le monde, ou Poutine en 2014. Il fallait les regarder en se forçant un peu, presque d'égal à égal, alors qu'ils étaient les maîtres du monde. Nous, nous étions rien du tout. Parce que si dans le regard, l'interlocuteur, l'invité, sent que vous avez une faiblesse, vous êtes cuit et vous n'existez plus. Donc il faut presque créer un rapport de force. Alors d'où je viens, je raconte.
J'accompagnais ma mère tous les jours au cimetière. Tous les jours. À l'époque, il y avait des calèches. J'aimais beaucoup monter avec le cocher. J'allais au cimetière. Mon père est donc mort le jour du grand pardon. Après avoir payé pour dire une prière, l'argent allant au fonds juif, c'est-à-dire les gens démunis ou les pauvres de la ville, il a lu sa prière, il est tombé et en effet, il est mort. Et c'est il y a eu deux choses. D'abord, j'ai rompu complètement avec la religion parce que le grand rabbin de l'époque m'avait dit ce que je considérais comme une bêtise. J'étais en train de pleurer. Il m'a dit vous avez de la chance, Dieu a rappelé votre père. J'ai dit oui, mais j'aurais préféré qu'il attende un peu quand même, hein, parce que ça a changé toute ma vie. Et ensuite, en accompagnant ma mère, je veux passer vite parce que ça me gêne de raconter ça, mais je connaissais toutes les tombes d'Oran, toutes les histoires de la ville d'Oran depuis les années 1910-1920, simplement en regardant les tombes, d'où ils venaient, la structure de la ville, la géographie sociale de la ville, avec quelqu'un qui était un guide, un Algérien, qui me disait « Ah là, Madame Machin, elle a voulu se faire enterrer avec son manteau de fourrure. » Ah bon ? Et celui-là, il a dit, je veux garder ma montre et l'anisette, la bouteille d'anisette à côté de moi. Je connaissais même les dessous. Et là, je me suis juré d'essayer de donner un sens à ma vie, de faire quelque chose de ma vie, et en même temps, de faire en sorte que le nom que je voyais inscrit sur la tombe régulièrement, je ne le salisse pas. Ou je ne sais pas que je l'honore. C'est facile à connaître. Il y avait l'idée de se dire, je vais le porter. Que je réussisse d'une certaine façon ma vie personnelle, la vie de ceux qui étaient autour de moi, tout en sachant que ça devait être difficile, parce que j'étais un adolescent sans trop de moyens. Disons que j'ai fait l'apprentissage de la pauvreté, j'en ai jamais eu de la rancune ou de la honte, mais c'était vrai. Et vous avez parlé tout à l'heure de ma mère. Mais elle faisait partie de ces familles où il y avait 10-11 enfants, où il fallait que les hommes et les femmes se marient chronologiquement. Ma mère avait dû attendre 6 ans avant de se marier. Et les femmes ne devaient que s'occuper du foyer, du mari, et surtout pas faire de métier, etc. Et de sorte qu'avec la mort de son mari, elle a appris différents métiers en tâtonnant. Et je dis quelquefois que je préfère ne pas trop parler de ma mère parce que c'est ce qui me meut peut-être le plus. Dans ces années-là, il y a la volonté de votre mère, mais qui était celle de votre père aussi, de dire « on fait des études, on lâche rien, on fait des études ». Parce que les gens de la famille disaient « bon, il a 13 ans, 14 ans, il va les faire comme tout le monde, il va les vendre des chaussettes, de la quincaillerie, et il faut les mettre au travail, et peut-être un jour ». Et ma mère avait entendu son mari lui dire « l'école, l'école, l'école ». Donc elle a fait tout pour qu'on fasse l'école, et on a grandi comme ça à Oran. Et Oran, je lui dois presque négativement. Elle m'a tout appris de ce que je ne veux pas dans la vie. L'injustice, le mépris de l'autre, le mépris de la femme. Pas seulement parce que je voyais, comme Camus, de sa manière, avec sa mère, je la voyais travailler, je voyais les efforts, je voyais l'absence de reconnaissance. Et puis, des gens de ma génération, ou un peu plus âgés, je les voyais aussi se comporter avec les jeunes femmes, et je me disais, je ne ferai jamais ça. Et puis l'injustice, l'Algérien n'existait pas. L'inculture, parler d'un livre, c'était aberrant, quoi. Il fallait parler de la plage, du soleil, surtout quand on avait de l'argent, qu'on pouvait y aller. Bon, bref. Mais avec le temps. Et puis d'abord, je veux dire aussi qu'Oran, Oran, c'était une ville où la structure de la ville représentait toutes les différences sociales du moment. Il y avait la marine où habitaient les Espagnols, près du port, les gens très riches qui habitaient le front de mer. On y allait rarement, c'était pas tellement notre territoire. La petite bourgeoisie juive qui était dans un quartier près de la place d'armes et du théâtre. Et la plus petite bourgeoisie était à côté du théâtre. Et en écrivant le livre, je me suis rendu compte que les Juifs d'Oran, en tout cas, étaient tellement attachés à la France, tellement attaché à la France, que les noms de toutes les petites rues s'appelaient Wagram,
la rue Tilsit, la rue de Marengo, la rue d'Austerlitz, la rue d'Erfurt. Et on se rendait compte que c'était toutes l'épopée napoléonienne et la Révolution, la grande rue spéciale, c'était la rue de la Révolution. Il y a un attachement à la France. Et c'est vrai que quand on est, comme nous, né de l'autre côté, de l'autre rive, le plus grand souci, c'était de passer la ligne d'horizon. Et vous avez dit tout à l'heure que j'habitais au cinquième étage. C'est vrai. Comme j'ai raconté, j'habitais au-dessus de la terrasse du théâtre. J'entendais les chanteurs venir répéter, les comédiens lire leurs textes en tenue de scène. Et je ne pouvais pas y aller parce que c'était un peu cher. Bon, mais il y avait la ligne d'horizon et je voyais les bateaux qui quittaient cette ligne ou alors qui venaient peu à peu, qui grandissaient, qui revenaient vers le port. Et je m'étais juré d'aller de l'autre côté parce que de l'autre côté, j'imaginais qu'il allait y avoir la culture, il allait y avoir les livres, il allait y avoir les chanteurs que j'avais envie de voir, de connaître tout un univers. Mais avec le temps, je veux reconnaître que je suis plus indulgent à l'égard de Rouen. Et parce que très souvent me reviennent des souvenirs. Non pas que j'étais particulièrement heureux, puisque j'avais cette envie de partir, mais je me dis que beaucoup de souvenirs très forts viennent de là, et que c'est là que j'étais presque formé, à la fois dans le refus et dans le rapport personnel, physique avec cette ville. Et j'y suis retourné, et il y a 5-6 ans, les Algériens ont tenu à ce que je sois citoyen d'honneur de la ville d'Oran. Et ça m'a fait plaisir parce que c'était aussi, tu as parlé de l'enfance tout à l'heure, mon père avait été vice-président d'un club de football qui était l'Union sportive musulmane d'Oran. Et donc toute mon enfance, j'ai vu, mon adolescence, enfin jusqu'à sa mort, des joueurs de football venir, etc. Sans que c'est une enfance où j'ai compris et j'ai vu la fraternité. J'ai vu les gens vivent ensemble, là aussi. Et puis ça a marqué, puisque dans tous les conflits, j'essaie de ne pas oublier les vaincus. Alors, c'est pour ça que c'était important de parler de ce passage du livre, parce qu'on voit à quel point la construction se fait... Et comme tout le monde, à ce moment-là, bien sûr. Je veux dire, François Mauriac doit dire, j'ai cité la phrase, ouais, en exergue, que la clé en exergue, c'est autre chose, mais... Ah oui, c'est une identification. Oui, c'est vrai. C'est à l'intérieur, tout est dans l'enfance de chacun de nous. Ah ben, c'est pour ça qu'on raconte. Mais je veux dire aussi que le livre n'est pas une recherche du passé à raconter pour moi-même ou pour vous le passé. Parce que j'ai toujours pensé à une phrase de Tocqueville qui dit « Si le passé n'éclaire pas l'avenir, à ce moment-là, l'esprit avance dans les ténèbres. » Et je pense qu'effectivement, le passé doit éclairer ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que si on voit la continuité des thèmes que j'ai traités depuis des années, on voit que ça sert aujourd'hui dans l'actualité, on pourra en parler. Et en même temps, le futur. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé aussi dans le métier, comme vous le savez, c'est pas seulement ce que l'on voit, mais ce qui est en préparation, qui fermente dans la société et qui va à un moment où... À un autre émerger, que ce soit les hommes, les femmes, les politiques, les artistes, les écrivains. Et vous avez eu la gentillesse de parler de la couverture. La une du livre, c'est la photographe de la maison d'édition qui a beaucoup de talent, a fait des tas de photos de moi un peu partout. Et en partant, parce qu'elle voyait que j'avais des livres partout, j'avais demandé de ne pas entrer dans une des pièces de chez moi. J'ouvre la porte, les livres tombent. Et c'est vrai. Et là, il y avait un petit bureau que j'avais mis dans un salon pour être avec ma femme quand elle écrit ou elle lit, Nicole Avril, qui est écrivain, etc., et qui est importante dans ma vie, naturellement. Et il y avait les livres. Et peu à peu, cette table est devenue envahie par les livres. Et à un moment, j'ai fait « Oh là là !» Elle a pris la photo, et c'est la photo qui est là. Mais en même temps, j'aime bien parce que c'est mon rapport au livre. Et le livre, il m'a sauvé. Le livre m'a aidé à tous les moments. Dans l'adolescence, je me disais, je vais partir, je vais lire. Et puis, chaque fois que j'ai eu des crises ou des conflits de caractère professionnel, que je suis tombé de cheval, comme disait Jean-Luc Lagardère, avant de remonter, ce qui m'a aidé à remonter, c'est la lecture. Ce sont les livres qui sont les meilleurs compagnons. Et c'est pour ça que ben, vous savez ça, puisque vous lisez beaucoup, et vous avez raison. Et nous, adolescents ou jeunes,
on l'a toujours fait. Et c'est vrai que je ne peux pas vivre sans avoir un livre dans ma poche que je lis. Jean-Pierre, bac en poche, vous quittez Oran, vous allez à Paris. La passion du théâtre, elle est-elle ? Alors ça, je l'ai découvert, moi j'ignorais totalement, parce que pour moi, j'avais imaginé... raconter des souvenirs qui étaient plutôt comiques, parce que c'est vrai que... Déjà vous rêvez d'être comédien, quand même. Je voulais être comédien, oui, parce que je voulais dire les beaux textes. Je lisais beaucoup les pièces de Racine, de Corneille. Il y a des pièces extraordinaires. J'avais appris la tirade de Oreste, la folie d'Oreste, qui vient de tuer Pyrrhus à la demande d'Hermione parce qu'il veut qu'il l'aime. Et Hermione, à la fin, lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et lui devient fou. Alors j'avais appris tout le rôle. Et on a un peu douché vos espoirs. Je crois que François Perrier, prof qui vous a dit... J'ai suivi des cours au cours du Lin, qui était lié au TNP. Je n'osais pas monter sur scène. Et un jour, je suis monté quand même sur scène. Et je croyais dire le texte, au reste, etc. Et après, quand c'était la tragédie, on m'a dit... Oh, vous avez beaucoup de talent. Vous êtes plutôt un comique. Ça m'a quand même complètement arrêté. Ça a cassé le truc, là. Et en plus, j'avais lu le texte d'Oreste, qui est d'ailleurs magnifique. Vous allez vous installer à Paris, mais au bout du compte, et vous en aviez rêvé de Paris, vous allez avoir l'occasion de retourner à Oran. Alors, c'est un cheminement de hasard qui va vous conduire vers le journalisme, hein, mais j'en arrive quand même à cette étape-là. C'est comme ça que vous allez vous retrouver à un moment sur ce chemin qui fait une carrière de journaliste. Dans la vie, il y a des hasards. Il faut être à la hauteur des hasards, quelquefois. On va les chercher, ou on a peut-être de la chance. Il faut aller à la rencontre, et parfois, on ne le sait même pas. Là, je suis devenu journaliste, vraiment, presque... Enfin, c'était une passion. C'était la guerre d'Algérie qui absorbait beaucoup de jeunes journalistes parce qu'ils étaient grillés dès qu'ils faisaient des papiers d'Alger pour la France. Ceux qui étaient en Algérie, ou les Algériens ou les autres, les poursuivaient. Donc, il fallait partir. Il fallait les rappeler. Être rappelé à Paris. C'était une passion, mais je me disais, comment je vais rentrer dans ce métier ? Et il fallait régler... une affaire de famille, puisque ma mère avait déménagé, et il n'y avait pas d'avion pour Oran, il n'y avait pas de bateau pour Oran, je suis passé par Alger, je ne connaissais personne, je m'ennuyais, je traînais, je me rappelle, j'étais arrivé à 7h du matin, je suis allé voir la radio. Et là, je suis tombé sur des types qui avaient été en classe avec moi, et qui m'ont dit, c'est formidable. Bon, et peu à peu, on m'a permis de faire un stage, je suis revenu après, puis à partir de là, j'étais mêlé à des événements comme des putschs des généraux en Algérie, avec une petite arrestation au matin, d'ailleurs. Une arrestation, ouais. Une libération assez vite. C'est tous ces événements. Et d'un seul coup, on les mêlait à ce qui va être l'histoire. Et on y prend goût. Et à ce moment-là, en ce qui me concerne, j'ai toujours voulu être là où se passe le fait, où ce qui va devenir un événement. Je ne suis pas contenté de faire comme beaucoup, d'être le cul assis sur un fauteuil et de commenter... un jour le Covid, le lendemain la guerre, le surlendemain la réforme des retraites, etc. Et toujours avec autant d'assurance, ce que je n'ai pas voulu faire. J'ai voulu aller sur le terrain. Et là, on va commencer. Vous allez commencer à entamer une période de votre vie professionnelle où, en fait, c'est inter-reporter. C'est-à-dire que vous allez effectivement couvrir ce qu'on n'en appelle pas la guerre d'Algérie, mais qui est la guerre d'Algérie. Vous allez y revenir quand la République se met en place. Ce sera l'occasion de rencontres. Vous allez retrouver, par exemple, un jeune lieutenant qui s'appelle Bouteflika. Vous aurez l'occasion de le revoir en 1999 quand il était président, enfin, quand il est devenu président. Et il vous accordera sa première interview en tant que président, évidemment. On aura créé des relations. Mais il faut dire simplement... certains des amis du lycée étaient partis dans la montagne. Et puis après, la guerre, les maquis, ils redescendaient. Mais ils travaillaient dans les bureaux, hein. Avec des armes, ils ne savaient pas tirer. Mais ils étaient surtout dans les bureaux auprès des responsables. Ils m'avaient amené à la radio, et tous les samedis, dimanches, j'allais à la radio. Et il y avait un jeune type en tenue militaire qui était de service et de garde. Et je le voyais lire que des livres français. Beaucoup de livres de Jean Lacouture, des biographies, etc. Et on a commencé à parler. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? Je lui dis, je voudrais essayer d'être journaliste. C'est difficile, mais je ne sais pas comment faire. Je disais, toi, moi, je veux faire de la politique. C'était Bouteflika. On avait 24 ans, 25 ans chacun. Et puis, bon, il a disparu un moment. Ben, il a eu d'abord des tas de responsabilités. Il a disparu. Et on l'a retrouvé quand il était président. Et c'était une époque où il disait, essayez de dire
aux Français, au gouvernement français, si vous arrivez à les connaître, ce que je disais déjà au général de Gaulle, envoyez-moi des profs, envoyez-moi des fonctionnaires qui viennent renforcer l'État algérien, parce que sinon je vais être obligé d'arabiser et je ne veux pas. On n'y a pas envoyé beaucoup de fonctionnaires. Non, vous le racontez, vous avez discuté avec des politiques français à l'époque et de toute évidence, il n'y avait pas de volonté de ce côté-là. Et puis vous dites d'ailleurs que c'était une erreur, parce que ce qu'on retient dans le livre. Donc, vous devenez journaliste à part entière, vous intégrez la rédaction, je crois que ça s'appelle Paris Inter à l'époque, la rédaction nationale. Il faut sauter les étapes. Ouais, il faut qu'on avance. Il y a eu Paris Inter, France Inter. Et donc, alors, je vais arriver sur une période qui a été très importante. Il se trouve que Jean-Pierre Elkabbach d'Oran a appris l'allemand. En sixième, vous entrez, on vous dit qu'il faut choisir une langue étrangère. Et vous, à la grande surprise, pour ne pas dire fureur de vos parents, vous dites je vais apprendre l'allemand. Ça vous a formidablement servi, puisque vous avez eu l'occasion de vivre, et grâce à la pratique de l'allemand, des moments majeurs, historiques, avec... Vous êtes devenu un spécialiste de ce qui se passait en Allemagne à ce moment-là, en pleine guerre froide. Ouais, c'est-à-dire que après 68, on m'a écarté. C'est la première fois que, sous le général de Gaulle, on m'écartait. Il y a eu d'autres... Il y en aura d'autres. Bon, j'étais à Toulouse. On disait qu'ils sont exilés à Toulouse. Il y avait 100 journalistes qui avaient été... licenciés, et une trentaine, dont moi, qui étaient allés, on me disait, en province, en exil. Moi, c'était Toulouse. Et de là, on m'a appelé pour essayer de travailler avec quelqu'un qui était en Allemagne, qui était le correspondant depuis longtemps et qui détestait les Allemands parce qu'il se souvenait de la guerre. Il ne voulait pas entendre parler, il ne voulait pas aller à Berlin parce qu'il y avait des monuments encore détruits, la Gedächtniskirche, l'église qui était au centre de Berlin. Il ne voulait pas y aller. Donc, j'ai commencé. Et du jour au lendemain, on m'a envoyé à Berlin. Et c'était Nixon qui arrivait, et le chancelier s'appelait Kissinger, celui qui a reçu une baffe de Blair T. Klarsfeld parce qu'il avait été dans les jeunesses nazies. Et quand je suis arrivé, je vais oublier un peu la pratique de l'allemand, parce que vous êtes en train de faire de moi un héros de l'allemand. Pas non, pas un héros, parce que je sais bien qu'il y a une traduction un peu acrobatique. Et je devais faire en direct sur ce qui était la télévision numéro 1, la TF1 d'aujourd'hui. Il fallait retransmettre en direct. L'anglais, je pouvais. L'allemand, je ne me rappelais pas. Et le chancelier prend la parole. Et heureusement, j'avais trouvé un ancien discours qu'il avait fait sur un autre sujet. Et j'ai lu ce qu'il disait, qu'il avait dit avant, en donnant le sentiment que c'était en direct. Et tout le monde a cru que c'était ce qu'il disait. Mais je n'ai pas recommencé cette plaisanterie, mais c'était du sauve qui peut. Ça a marché. Il y a dans ce livre... Mais j'ai pas toujours trafiqué la vérité. Non, on va considérer que c'est la seule fois où vous l'avez fait. Là, en l'occurrence, il y a des photos dans le livre. Je m'y arrête un instant sur cette période-là, parce que l'image parle. Hein, et on vous voit notamment en 70, lors de la rencontre entre le président du conseil de la RDA et Willy Brandt, qui était chancelier de RFA, c'était à Erfurt. Et ben, vous êtes entre les deux hommes avec un micro. C'est vraiment la souris, le reporter, ce que vivent tous les reporters de radio. Mais c'est des périodes... Je l'ai fait, moi. Vous avez adoré J'ai ça. J'ai fait tous les métiers. Et quand on était correspondant, on faisait à la fois des commentaires à la télé, mais des reportages sur des tas d'événements. Et là, j'étais content quand même que la photo ait été prise, parce que c'est le moment où Willy Brandt avait une Ostpolitik, une politique à l'égard de l'Est, ce qui lui était reproché par la France et Georges Pompidou à l'époque, qui s'était rapproché plutôt des Anglais. Alors qu'on a toujours dit que le moteur de l'Europe, c'est les Franco-Allemands. Et Brandt a essayé de se rapprocher de l'autre Allemagne. Et ça a été la première rencontre. Il y en a eu trois. Donc une à Erfurt, c'était la première fois. Les deux, le chef de gouvernement d'Allemagne de l'Est et l'autre, se rencontraient. Et pourquoi il le faisait ? Pour permettre peu à peu à des jeunes d'aller voir leurs parents ou leurs grands-parents qui étaient restés de l'autre côté du mur. Et pour y passer, il fallait des autorisations, parce qu'on n'y allait pas. Il y avait la Volkspolizei, la police qui était à tous les coins. Il y avait des contrôles. Et on ne pouvait pas passer. Et ce que voulait faire Brandt, c'est de réconcilier. Mais Brandt, j'étais correspondant, je le suivais partout, y compris quand il est allé à Varsovie s'agenouiller devant les ghettos. Vous avez bien failli, mais involontairement, empêcher que l'image soit tournée, parce que c'est votre cadreur, votre caméraman qui dit « Non, pousse-toi de là !» Le réalisateur. Oui, parce qu'on se disait, voilà, le monument du ghetto était là, et le chancelier arrivait comme ça, et
en matière de télé, on dit, bon, souvent, pour montrer qu'on est dans l'événement, tu vas te mettre, tu vas voir dans le dos l'arrivée de Bond. Mais au bout d'un moment, on a vu qu'il allait vers le monument et qu'il allait s'agenouiller. Et à ce moment-là, le réalisateur me dit « dégage, dégage, dégage ». Et on a fait cette photo, cette image, qui a été une des images les plus regardées dans le monde. Nous avons été la seule télé française avec la télé allemande à faire cette image. Le problème, c'est d'être toujours, encore une fois, là où il se passe des choses. On peut sauter les étapes, non ? Oui, on va sauter les étapes. Il y a une histoire quand même qui, moi, m'a marqué. Il se trouve qu'un soir, je regardais la télévision et je la regardais, mais je l'écoutais surtout, mais j'ai reconnu la voix. Et j'ai relevé la tête. Jean-Pierre Elkabbach était en train d'interviewer Albert Speer, qui était l'architecte d'Hitler. Et en fait, j'ai découvert dans le livre que non seulement vous avez mené cette interview-là, mais vous avez passé 2 jours chez lui. Un week-end. C'est quand même... Enfin, bah oui, vous bien sauter les étapes, dire. Mais cette histoire-là, quand ouais, même. Albert Speer, j'étais correspondant en Allemagne et il publiait ses mémoires. Il venait de sortir de prison. Il avait 20 ans à la prison de Spandau, qui était la prison à Berlin, où avaient été détenus et quelques-uns qui, après le procès de Nuremberg, n'avaient pas été exécutés ou pendus. Et lui, il avait échappé à la mort parce que, lors de Nuremberg, il a été un des seuls à dire « coupable, coupable ». Et puis on s'est souvenu qu'au mois d'avril, quelques jours avant le suicide d'Hitler, il était allé le voir et il lui avait dit « renoncez, abdiquez ». Ne restait pas encore là, alors qu'il était le chouchou d'Hitler. C'est lui qui était en permanence à Berchtesgaden avec lui et qui raconte qu'il passait des soirées à s'emmerder, il n'y avait pas d'autre mot, mais jusqu'à 3h du matin, il entendait Hitler déblatérer. Et en même temps, c'est lui qui a fait en sorte que l'opération que Hitler avait appelée Néron se déroule. L'opération Néron, c'est Hitler avait dit « il faut me liquider ». Les vieux et les enfants, puisqu'ils n'ont pas été capables de défendre leur pays et leur peuple. Alors qu'il avait pris des gamins de 15 ans, il avait mis des casques qui leur tombaient sur la tête, il les avait envoyés se faire tuer sur le front. Et Speer lui avait dit « Non, pas l'opération Néron ». Et puis, bon, Spandau, il est condamné à 20 ans de prison. Il va être un des derniers à rester avec un autre qui s'appelait Rudolf Hess, qui, lui, avait été arrêté en 1942 parce qu'il voulait... je crois que c'était un peu une idée dingue, réconcilier l'Allemagne de Hitler et l'Angleterre Churchill. Et il était parti en avion, puis, bon, il s'est fait arrêter par les Anglais, il est allé à Spandau jusqu'à sa mort, lui. Mais Speer est sorti, publie les mémoires, et il dit, d'accord, venez, je vais passer un vendredi, samedi, dimanche, c'est Speer, dans la maison qu'il avait avant la guerre, donc à l'époque d'Hitler, etc., et il avait, tu veux que je raconte ça ? La terrasse, le chien, oui. Oui, oui, il y avait une petite terrasse circulaire. Et on sort du salon, il me dit, on va marcher. Alors on marche autour, on marche, marche. Et à un moment, il a son chien policier, enfin un chien policier ou un chien allemand, qui lui sautait comme ça, qui sautait sur nous. Et j'étais pris, c'est vrai, je dis, d'effroi. Parce que dans les livres d'histoire, j'avais vu sur cette même terrasse, Hitler tournait avec un chien policier ou un chien allemand. Je me retrouvais dans une situation qui m'avait pris. Et je lui ai fait raconter des souvenirs, comment il avait sorti, comment il avait écrit son livre sur du papier de toilette bleu marine. Il avait écrit et son manuscrit sortait tout doucement par sa femme qui venait le voir en prison. Et je lui ai demandé à l'époque, mais c'était l'architecte du Reich. Il avait été ministre aussi de l'armement. Mais l'architecte du Reich, il était en train de préparer la nouvelle chancellerie d'Hitler. Elle devait être 300 mètres de hauteur, etc. Et il avait reconstruit presque Berlin. Et je lui dis, qu'est-ce qui reste? Il parlait français avec un accent fort. Il m'a dit, « Eine Lampadaire !» C'est tout ce qui est resté de lui. Donc, je l'ai vu. Moi, je ne m'arrêtais pas. Parce que je sais que dans mon métier, il y a des gens qui disent, « Ah !» prendrait avec des pincettes. On n'interroge pas Jean-Marie Le Pen, on n'interroge pas Yasser Arafat, on n'interroge pas X ou Y ou Poutine. Moi, je pense que notre métier, c'est d'aller les voir, les faire parler, de les démasquer, et en même temps que l'opinion, vous, nous sachions ce qu'ils portent en eux, ce qu'ils veulent faire.
dans la mesure où ils veulent bien le dire. On reviendra. On le leur fait dire. Sur des grands entretiens, il y a eu cartes sur table, il y a eu des interviews effectivement comme celle de Poutine en 2014. Il y a quand même tout le long de ce parcours-là cette curiosité insatiable et cette absence finalement effectivement de barrières. Le journaliste doit aller partout, doit aller voir tout le monde, et ça va vous conduire notamment à rencontrer. Vous le racontez dans le livre. Je sais pas, un personnage comme Conrad Lorenz, je prononce correctement son nom, qui lui parlait aux animaux et notamment à ses oies cendrées. Et quand vous dites à l'époque à votre rédaction en chef, je vais aller interviewer ce type-là, mieux que ça, vous enregistrez le dialogue. Je ne sais pas de quelle nature était exactement le dialogue, mais quand cet homme-là donc s'adresse à ses oies. Et là, on va considérer quand même que vous avez une capacité à aller interviewer des farfelus assez prononcée. Mais c'est aussi ça la curiosité. Le journaliste qui va lancer l'interview me dit, c'est pas un joueur du Mönchengladbach, je sais pas quoi, une équipe de foot. Et c'était le grand éthologue qui s'occupait donc des animaux, qui avait eu le prix Nobel de médecine. Et là encore, je me dis, celui-là, il faut que je le voie puisqu'il parlait français. Et je vais le voir près de Munich, il me reçoit dans la gadoue. Et il y avait à côté de lui, qui marchait à côté de lui, une oie en permanence. Et quand on a commencé à parler de chaque côté du bureau, l'oie s'est mise sur le bureau. Il lui a dit, tu vas aller là, tu vas aller dans ton panier. Elle est descendue, elle est allée dans son panier. Après, il lui dit, bon, allez, on va se promener. Elle est revenue, on a mangé. Bon, et il lui parlait presque. Et il m'a appris, on va aller vite, mais il m'a appris 3-4 choses. Que les animaux, parmi les plus bêtes, dit-il, ce sont les aigles. Qui pourtant sont un symbole de force. De force, du Reich, de Napoléon. Des légions romaines de César, des l'aigle. Il dit, on comprend pas, l'aigle, il est là. On lui donne sa liberté, cet abruti, il revient se mettre là sur celui qui l'emprisonne. Il dit, il vaut mieux être un corbeau, beaucoup plus intelligent, avec un certain nombre de droits. Et il a fait tout un hymne au loup. Il dit, on est sévère avec le loup. Mais le loup, quelquefois, il y a des heures, je sais pas si je vous intéresse, mais je vous raconte ça vite. Dans une meute, le jeune a envie de prendre la tête de la meute et donc écarter, comme en politique, celui qui est là depuis un peu trop longtemps. Et ils se battent. Mais si c'est l'ancien, la tête qui gagne ou le jeune qui gagne, il ne se tue pas. Le loup est l'animal qui ne tue jamais son congénère, son semblable. Et donc à ce moment-là, celui qui a été battu se met vaincu. Se met à la fin de la meute et va marcher dans la meute sans faire d'autres histoires. Et quelquefois, quand les deux se croisent, le vaincu, pour faire allégeance, baisse la tête et se remet dans la meute. Et je dis, c'est vrai que on a dit souvent que les loups, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Moi, je dis, le loup est un loup pour le loup. Le loup n'a pas fait la Saint-Barthélemy, il n'a pas fait les goulags, il n'a pas fait la barbarie en Ukraine, il n'a pas fait Auschwitz. Donc, il ne faut pas être toujours trop méchant avec le loup, même si, quelquefois, il fait son métier, il bouffe des agneaux. Tout ça pour bien souligner quand même qu'on a souvent considéré que Jean-Pierre Elkabbach était d'abord du journalisme politique, qu'en réalité, vous vous êtes intéressé et vous continuez à vous intéresser à mille autres choses. Je passe vite, mais il y aura Léopold Tepper, par exemple, que vous allez retrouver à Varsovie. Le chef de l'Orchestre Rouge, le chef de l'espionnage. Et finalement De Staline pour l'Europe, la France et la Belgique pendant la guerre. Bon, c'est toute une histoire, ça aussi. On la découvre, on la découvre dans le livre, mais elle est quand même très intéressante. Il y a aussi cette idée de, à un moment, défendre des causes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'empreinte maternelle, de la cause des femmes. On retrouve dans le livre un certain nombre. Alors, Nicole Avril n'y est pas pour rien, Gisèle Halimi n'y est pas pour rien. Vous êtes très sensible à tout ce qu'elle vous explique, à tout ce qu'elle. C'est vraiment vous emparer de cette cause-là. Quand vous serez. J'ai commencé à m'y intéresser avant de les connaître. Avant de les connaître, parce qu'il y avait eu justement l'exemple d'Anna. Parce que je défendais ces causes, celle qui est devenue ma femme m'a supporté, sinon elle m'aurait balancé par la fenêtre. Mais jusqu'à d'ailleurs, vous le dites dans le livre, c'est un détail, mais ça en dit long. Vous dites évidemment que je ne pouvais tomber amoureux, éperdument amoureux, en l'occurrence, il y a des très jolis passages, je ne les lirai pas, chacun les lira, mais d'une femme qui garde son autonomie jusqu'à son nom, l'écrivaine Nicole Avril, elle garde son nom, évidemment. Bien sûr. Oui, mais ça, vous y teniez. Oui, oui, bien sûr. Elle est écrivaine, l'écrivaine de livres, je n'allais pas. La vraie écrivain, c'est plutôt elle. Donc, vous allez vous intéresser, par exemple, au problème de contraception, à un moment où ce n'est pas forcément sur le devant de l'actualité, par exemple. Vous allez, je disais, être très proche de Gisèle Halimi. Enfin, tout ça, vous allez rencontrer Neuwirth. Enfin, il y a l'idée de se dire à un moment,
quand une cause, je décide à un moment de m'en emparer, je ne m'arrête pas. Là, la cause des femmes, et puis il y en a eu Freud, il y en a eu d'autres, mais il y a ce trait de caractère. Oui, parce que, comme dit mon ami Alain Duhamel, il me faut une cause tous les 6 mois. Oui, c'est ça. Mais là, il exagère, à la rigueur, tous les ans. Mais je me suis intéressé, sans le savoir, à l'environnement, avec René Dumont, qui a été le père de tous les héritiers qui ont dévoyé sa pensée. Mais qui suscitait des railleries, des sourires. Enfin, ouais, c'est le type qui, avec on le prenait pour un givré. Un verre d'eau à la télé. Il montrait un verre d'eau à la télé, il dit ça. Vous verrez, il n'y en aura plus beaucoup. Et l'eau potable, vous verrez ce que ça va être. Les voitures, vous allez voir à un moment. Et vous n'allez pas avoir d'électricité. Et là, alors à l'époque, il est fou, ce type. Et puis finalement, il n'avait pas tort. Mais il y a eu lui, il y a Cousteau, il y a tout ce que j'ai vu dans des situations différentes. Et marquant, si je peux dire, une cohérence dans ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, bah, ce que je fais. Avec la pierre angulaire qui est la curiosité permanente. C'est-à-dire que il a pas tort, Duhamel, parce que moi j'ai des souvenirs où tout d'un coup, Jean-Pierre Elkabbach disait les forêts, il faut s'intéresser aux forêts, les océans, effectivement, on avait, je crois que c'est. Christian Bûcher, donc. Christian Bûcher, voilà, spécialiste de la mer. Mais il y avait comme. Et ça, manifestement, et ça correspond aussi à l'idée de dire il faut sortir des sentiers battus, arrêter de faire tous les mêmes sujets. C'est une obsession, ça. L'obsession. C'est une nécessité de notre métier. Si on ne transgresse pas de temps en temps les modes, etc., on meurt étouffé. On a le conformisme qui nous écrase. C'est toujours les mêmes types qui tournent autour des radios et des télés. Quand j'ai commencé à faire les matins à Europe 1, on était 2 dans les radios et télé. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a ? 17. 17. Et donc, 17, ça veut dire que tous les matins, vous avez un politique. Et le surlendemain, vous le trouvez ailleurs, et après, et il tourne. Et même aujourd'hui, regardez sur la guerre d'Ukraine, les commentateurs, vous les voyez, un, il est à LCI un soir, vous le voyez le lendemain matin à BFM, le surlendemain à CNews, vous dites, mais bon, ça tourne, et souvent les mêmes. Et moi, j'ai essayé, comme je disais tout à l'heure, m'intéresser aux forêts, peut-être aux arbres, à l'eau, à la mer, aux océans, et. Au philosophe. Il y a une phrase de Raymond. Toujours un philosophe avec moi. C'est vrai. Il y a une phrase de Raymond DeVos dans le livre. C'est, il n'est jamais trop tard pour s'enchanter. Je crois que c'est ça. Hein, et ça vous avait marqué. Vous avez décidé. Ça fait partie des choses qui vous correspondent, en tout cas dans la quête que vous voulez avoir. Mais je le fais pour transmettre. Je le fais. Je m'enrichis et je me suis beaucoup formé. Et je disais tout à l'heure. Même si on ne le croit pas, parce qu'on me dit la caricature, c'est moi le méchant, l'agressif, etc. Bon, je peux être dur, et je peux être dur avec des gens qui méritent de l'être, des perroquets, des types qui n'arrêtent pas de se répéter, et donc qui méprisent les gens que vous êtes. Oui, je peux. Mais j'ai vaincu une forme de timidité à travers le métier, oui. Peu à peu. Ça, et en interrogeant, parce qu'encore une fois, il faut être à la hauteur de l'interlocuteur. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune émission politique qui vous mobiliserait pendant 2-3 heures parce que vous les avez vus, vous les avez entendus, sauf si on est dans un moment de grand conflit au début du Covid ou la guerre d'Ukraine, comment la finir, comment ne pas la finir, comment passer toutes les souffrances des Ukrainiens et avec les conséquences dans le monde. Impossible de ne pas parler de cartes sur table, parce que là, c'est des souvenirs largement partagés. Il y a cette amitié et cette différence incroyable entre les deux personnages que vous êtes avec Alain Duhamel. Ça expliquera sans doute en partie le succès de l'émission. Vous ne jouez pas le même rôle. Il y en a un qui est le good cop, c'est plutôt Alain. Le bad cop, c'est plutôt vous. Vous savez à quoi ça tenait ? Alain était blond, avec des yeux bleus. Il sautillait, était gentil. Moi, j'étais mort de peur. À l'époque, j'avais des cheveux noirs jusque-là. Et comme j'avais souvent la trouille, j'étais plus tendu. Donc, je disais, lui, c'est le bon. Moi, j'étais le méchant. Et en général, l'invité, c'est le truand. Carte sur table. Même s'il n'était pas. Carte sur table, c'est évidemment. Alors, on va peut-être pas complètement revenir dessus parce que. Il y a eu marché, évidemment. Vous dites à un moment dans le livre. On m'interpellait pour me demander des nouvelles, comme si on formait un duo comique. C'est-à-dire, c'était Serreau-Poiré, quoi. C'était devenu ça, un peu. Hein. De finesse.
de Funès. Mais et quand il venait, il y avait 7 à 8 millions de téléspectateurs. C'est ça, c'était les cartons. Dans la rue, on nous disait, soyez dur avec lui. Voilà. Le lendemain, ah, c'était bien, c'était pas bien. Et lui, avec le, il se faisait engueuler par le Parti communiste, il perdait des voix. Mais il faisait des numéros avec conviction. C'était un personnage très fort. Moi, je m'entendais avec lui, mais Alain ne s'entendait pas avec lui. Moi, je ne m'entendais pas avec Chirac, et lui s'entendait avec Chirac. Qui, on va parler encore d'eux, mais Chirac, il avait tellement peur des journalistes qu'il était brutal avec nous. Enfin, pendant toute la période, je dis celle où il galopait, était jeune, il pouvait aller sur les tables, faire des grands discours, etc. Et puis après, il y a eu la période où il a perdu le pouvoir, et il voulait changer de métier, il voulait devenir antiquaire. Et la troisième période, où il est devenu président de la République, et dans la salle, il y a quelqu'un qui le connaît très bien, puisque Jean-Luc Barré a fait avec lui les deux tomes de souvenirs de Jacques Chirac, n'est-ce pas, qui étaient les souvenirs intéressants. Et c'est quand même lui qui a pris des décisions qui sont importantes, ne pas faire la guerre d'Irak, même s'ils étaient fait engueuler par les Américains, l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, en disant, lui, les traites négrières, les traites, parce que ce sont des thèmes aussi qui nous reviennent, l'esclavage, la responsabilité coloniale de l'Europe, alors qu'en disant les traites négrières, il commençait au 7e siècle jusqu'au 20e, avec l'esclavage par les musulmans, à un moment, l'esclavage organisé aussi par des roitelets d'Afrique qui raflaient des tribus et qui les vendaient pour des fusils ou de l'alcool. Voilà. Bon, il y avait tout ça. Et puis le musée aussi, le musée Chirac, tout ça, c'est lui. Je pense qu'avec le recul, ce que j'ai cru comprendre à travers mon expérience modeste, c'est qu'avec le temps, des gens qu'on a critiqués, on l'a défilé contre De Gaulle, disant « ça suffit, De Gaulle dehors », à peu près tous. Et en Angleterre, Madame Thatcher, 10 ans, 11 ans, Tony Blair, 10 ans, 11 ans. Et comme disait Mitterrand, d'ailleurs, il me disait « un peuple a besoin de respiration tous les 10 ans ». Et moi, je suis resté déjà trop longtemps. Il était 13, 14 ans quand il me disait ça. Ils ont besoin de respiration et d'alternance. Donc, il prévoyait, lui, déjà, qu'après lui, il y aurait quelqu'un de droite. Il ne savait pas, jusqu'au moment où il a plutôt aidé Chirac contre... En profitant notamment de la commémoration de la libération de Paris, mise en scène qui avait été terrible, voilà, pour Balladur. Qui avait achevé Balladur, là, à ce moment-là, Édouard Balladur. Mitterrand... Et avec le temps, on donne... On voit mieux ce qu'ils ont représenté pour nous, ce qu'ils laissent de traces dans l'histoire. Aussi bien Giscard, parce que Giscard avait nommé Chirac, Chirac avait nommé Simone Veil. Ils sont liés. C'est elle, Simone Veil, qui a porté la loi, qui porte son nom. Chacun a fait quelque chose. Chacun. Mitterrand, je dirais que ceux qui arrivent au pouvoir en France, et on a la chance de pouvoir les critiquer, les humilier, leur taper dessus matin et soir, ils sont arrivés au pouvoir et vous les avez élus parce que vous avez pensé qu'ils n'étaient pas des voleurs de pouvoir, mais qu'ils méritaient d'être là où ils étaient, où ils arrivaient. Et il y avait chez eux, selon les milieux d'où ils venaient, une ténacité, une opiniâtreté, une volonté de grimper parfois jusqu'au sommet, ou en tout cas assez haut pour laisser aussi une marque ou une trace dans l'histoire. Cette observation-là, elle vous a captivé, et elle conduit quelquefois à dire, mais le Cabache, il est fasciné par le pouvoir. Vous avez là-dessus une réponse qui est assez simple. Vous dites, mais moi, c'est pas le pouvoir, c'est l'observation de cette conquête-là. La conquête et l'exercice. Ce que vous expliquez dans le livre, c'est ça. Il faut que je sois aux premières loges, sinon comment je le raconte? Mais ça, vous pouvez comprendre la critique ou vous la comprenez pas, cette critique-là? Bien sûr que je la comprends. Mais c'est ou des mensonges ou des hypocrisies. Parce que ceux qui me reprochent d'avoir rencontré des hommes ou des femmes politiques, parfois ils sont mariés avec une femme ou un homme politique. Et souvent, ils en font autant. Mais c'est qui aime bien, châtie bien. Vous les connaissez. Vous savez ce qu'ils portent en eux, ce qu'ils ont envie de dire. Vous avez dit la conquête, mais c'est en même temps l'exercice du pouvoir. Comment est-ce qu'ils écoutent et comment ils décident d'envoyer des gens, des forces spéciales pour aller démolir un groupe de terroristes dans le Sahel?
comment ils décident d'aller en Ukraine ou de ne pas y aller, qui les aide, comment ils réfléchissent, comment ils prennent la décision. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas les ors des palais, ni l'argent, tu vois, je m'en fous de ça. Et même quelquefois, quand je me souviens de la première fois où je suis rentré dans un ministère, j'ai dit, ah, la République, j'avais jamais mis les pieds là. Je me disais, moi qui viens d'Oran, le petit quartier pourri, je suis là dans les... Ou quand j'assistais aux conférences de presse du général de Gaulle, je me dis, c'est une chance inouïe, mais c'était pas pour me rassasier du pouvoir, c'est de voir comment il fonctionnait. Et si j'avais pas fait ça, je pense d'abord que ma vie aurait été différente, mais peut-être que j'aurais transmis moins de choses, mais j'aurais pas rencontré Mandela, j'aurais pas discuté 5 fois avec Gorbatchev au Kremlin, à Paris et à Lyon, peut-être même à Bordeaux et à Sciences Po à Paris devant des étudiants. J'aurais pas interrogé Anwar el Sadat, l'Égyptien, qui venait de déclencher une guerre contre Israël, qui perdait la guerre, qui était menacé de mort, mais qui disait malgré tout, je veux aller à Jérusalem et parler devant le Parlement, la Knesset. C'est ça, et c'est ces types-là que. Parce que je peux pas fonctionner sans admirer, si je peux me permettre de dire ça. Et c'est des types comme ça que j'ai admiré, des types qui transgressent, des types qui passent au-delà de ce qu'on attend d'eux. Brandt fait la politique à l'égard de l'Est, il va les rapprocher les deux, et un jour il y aura qu'une Allemagne au lieu de deux. Mais c'est lui qui a commencé. Et à ce moment, vous avez l'occasion d'ailleurs, vous le rappelez dans le livre, d'en parler avec Roland Dumas, avec François Mitterrand. Ils y croient pas du tout à tout ça. Hein. Mais, je dis, c'est des types comme Sadat, comme Gorbatchev, qui a changé l'Europe, qui a changé l'Union soviétique, qui est devenue la Fédération de Russie, qui a perdu le pouvoir, qui est méprisé dans son pays. Mais nous, il a changé le monde. Le jour où il est allé dire aux responsables c'était l'Allemagne de l'Est, il est allé dire, les gars, là, après les avoir embassés sur la bouche, à la manière de ces pays-là à l'époque, là, je n'envoie plus de chars. Vous vous débrouillez avec vos peuples. Et s'il y a une révolte, ne comptez pas sur les chars, je vous les envoie plus, c'est fini. À partir de là, ceux qui avaient des régimes vacillants, des systèmes politiques qui ne tenaient plus, ils se sont effondrés. Dans les entretiens, je ne sais pas lequel d'ailleurs vous a marqué le plus, parce que là, vous en avez cité un certain nombre, et vous avez effectivement eu le privilège et le bonheur professionnel d'en réaliser un paquet. Il y en a un sur lequel vous vous attardez et qui évidemment résonne avec l'actualité que l'on vit depuis quelques mois, c'est Poutine en 2014. Peut-être dire dans quelles conditions s'est montée, entre guillemets, cette interview-là. On va dire. Je veux dire, les deux, trois personnes que j'ai vraiment aimées, c'est Audrey Hepburn. Ah oui, c'est vrai, vous en parlez dans le... Que j'ai vu dans les derniers temps. Je l'ai connue. Mettons les 6 derniers mois de sa vie. Qui vous reçoit très simplement. Oui, très simplement. Elle a lu, c'est-à-dire elle était en train de faire des essayages chez Givenchy. J'étais arrivé, elle était torse nu. Alors je suis sorti, elle me dit ah, asseyez-vous. Elle a ses différentes robes tenues, etc. C'est lui qui l'habillait quand elle était jeune, quand il y avait tous les films qu'on a connus d'elle. Et là, elle était devenue ambassadrice. Elle voulait défendre les enfants et protéger les enfants en Afrique. C'était l'UNICEF ou l'UNESCO, je ne me souviens plus. Et quelque temps après, on s'est vu quelques fois, on s'est promis de se revoir. Elle est allée faire des examens médicaux à Los Angeles, où elle habitait. Elle est morte. Donc, mais vraiment. Ça vous a marqué. Oui. Et Daniel Cordier. Alias Caracalla. Là, je veux dire, Daniel Cordier, c'était le secrétaire personnel de Jean Moulin pendant la guerre. Et qui était un type extraordinaire. Bon, là, je pourrais en parler pendant très longtemps. Il y a une photo, d'ailleurs, dans le livre. Oui, parce que je l'aimais. Il montrait dans la liste des compagnons de la libération son nom et il me disait « Je veux pas mourir le dernier des compagnons de la libération. Je veux pas mourir. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que le général de Gaulle a dit que celui qui meurt le dernier doit être enterré au Mont Valérien. Et vous savez, c'est obscur, il fait froid, je veux pas aller là-bas. » Mais c'est vrai, il était comme ça. Il avait 95 ans, 96 ans. Il allait faire un voyage d'un mois en Inde. Et je lui disais, mais vous partez pas avec des amis comme vous l'avez fait une fois. Dis, ah, non. J'avais un couple d'amis de 40 ans. Ils sont toujours fatigués, ces jeunes. Donc je voyage tout seul. Mais c'était un type extraordinaire et qui avait défendu Jean Moulin jusqu'au bout. Ça, on peut le raconter. Si vous lisez un de ses livres, c'est Alias Caracalla, qui est un livre magnifique où il raconte
sa vie. Mais il y en a d'autres où il raconte l'occupation, la résistance, etc. Il y a Mandela, dont vous avez appris la mort à Bordeaux. C'était un soir, on était très bien. Lui, ça, c'est évidemment... On dit le pouvoir. Je vais dire deux choses. Mandela, je suis allé deux fois en Afrique du Sud. Il m'a fait porter 15 jours. Il venait de sortir de prison. 15 jours, une première fois, je rentre bredouille, je me fais engueuler par mes patrons. Une deuxième fois, je retourne, je bredouille. Et une troisième fois, là, j'ai une interview. Après, il revient à Paris et je le vois plutôt facilement. Mais c'est souvent des attentes avant d'arriver. Poutine vous fera attendre aussi. Vous allez avoir l'occasion de le rencontrer. On est en 2014 et vous dites dans le livre, le Poutine de 2014 n'est pas celui... Ah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je ne peux pas dire que je ne le reconnais pas, mais c'est peut-être... ce qu'il m'avait caché, peut-être m'a-t-il menti. On a attendu 5 mois de négociations, un ou deux voyages à Moscou pour négocier avec lui et ses collaborateurs. Il nous a reçus à Sotchi. Et il venait d'annexer la Crimée. Et bon, la plupart des gens commençaient à se dire, bon, il n'y a plus rien à faire, c'est la Crimée. Et on a fait l'interview, où on a été assez... direct avec lui, pas agressif, mais précis, direct. Et il nous avait dit dans l'interview, et après j'ai eu une conversation d'une heure et quart avec lui, on était deux, plus l'interprète, où il nous a dit, moi je... D'abord, on est en train de... Les Américains veulent encercler, c'est sa version, en 2014, encercler la Russie. Nous ne voulons pas sortir de Russie. Mais si on nous met l'OTAN et les missiles dans l'Ukraine, c'est casus belli. Alors, s'il nous l'a dit en 2014, il avait dit en 2008 à Nicolas Sarkozy, il avait dit à Hollande. On se demande pourquoi les gens n'y ont pas tenu compte ces dernières années. Et à l'époque, il y avait l'anniversaire du débarquement en Normandie. Et là, il nous avait dit ce jour-là, nous allons tous nous retrouver, Obama, etc., à Paris. Obama n'arrête pas de faire pression sur moi pour que lui, moi et l'Ukrainien, nous réglions les problèmes de l'Ukraine. Je ne veux pas des Américains. Je dis non, non, non. C'est une affaire des Européens. Alors, si vous connaissez Hollande, dites à François Hollande qu'il peut inviter Madame Merkel et on ferait une réunion à quatre, ce qui est devenu le format de Normandie et qui est devenu après, à partir de là, les accords de Minsk qui ont délimité l'Ukraine et qui ont promis l'autonomie de la région du Donbass. Bon, mais le type qui nous parlait calmement, là, qui faisait des numéros en disant « Moi, j'ai besoin de 2h30 de sport, je me couche tôt », toutes ces remarques personnelles, je ne reconnais pas avec le massacreur d'aujourd'hui. Celui qui bombarde les civils, dont l'armée massacre, la barbarie, je ne reconnais plus. Et... le fait de souffrir, il faut leur rendre hommage. Ce peuple ukrainien qui est en train de souffrir de l'obscurité, du froid, de la faim, j'ai une pensée et une admiration pour eux. Mais je me dis aussi qu'il ne pourra pas y avoir deux hivers comme ça et que la paix, il faudra qu'elle se fasse à un moment ou à un autre. Même si aujourd'hui, il est très difficile pour un chef d'État, à plus forte raison pour nous les journalistes, mais entre nous, de dire il faut la paix. Bien sûr qu'il faut des armes. Il faut que les deux puissances soient équilibrées. Mais les Ukrainiens souffrent trop. Et il faudra qu'un jour, il y ait des discussions. D'ailleurs, hier, et il n'y en a pas beaucoup qui le relèvent, les Américains et Anthony Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères de Biden, a proposé aux Russes et aux Ukrainiens qu'on en revienne aux frontières du 24 février. C'est-à-dire, on en revient à ce qu'était le rapport entre la Russie et l'Ukraine avant la guerre. C'est-à-dire que la Crimée reste aux Russes, que le Donbass devienne un peu autonome, et il faudra trouver quelque chose pour les Ukrainiens. Mais c'est un pas de plus, et vous allez voir que tout doucement, les Américains vont forcer les uns et les autres à ouvrir des discussions, parce que ça ne peut pas durer. Mais je rends hommage à Zelensky, au courage de ceux qui sont là, au peuple ukrainien. Et je souhaite, moi, que la paix ait lieu. Dès qu'un chef d'État le dit, il se fait engueuler. Il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire la paix. Il ne peut pas dire
il faut pas humilier tel ou tel, on le lui reproche. Mais c'est vrai, encore une fois, que le Poutine que j'ai connu, à qui j'ai serré la main comme ça en le regardant bien en face, et le Poutine d'aujourd'hui, alors là, c'est... Alors, je ne sais pas s'il nous avait menti, peut-être, mais là... Et il faut faire attention à la propagande qui peut venir ou du camp russe ou du camp américano-ukrainien, européen. Jean-Pierre, on n'a pas eu le temps, parce que ce n'est pas à vous que je vais expliquer que... Il y a un temps donné sur une interview. On n'a pas eu le temps d'aborder les années de disgrâce. Bon, voilà. Tu as dit tout à l'heure, j'aime le pouvoir. Je veux quand même dire... Vous êtes fait virer souvent. Je me suis fait virer sous De Gaulle, sous Giscard, sous Mitterrand, sous Chirac et Juppé. 4-5 fois. Bon, pour un type qui aime le pouvoir, il faut dire qu'il ne m'aime pas. Deuxièmement, et ça, j'aime le dire aussi, je m'intéresse beaucoup... D'abord... 81, j'étais vidé. Bon, ça fait du bruit, ça fait tam-tam, on m'a caricaturé. On a même annoncé votre suicide. Oui, oui, on a même annoncé que j'étais mort. Ça m'avait surpris. On était venu voir chez moi si où était mon cadavre, même. Les policiers, les pompiers, bon, tout ça, c'est ancien, il n'y a pas de rancune, je m'en fous. Mais j'ai vu ce qu'est la meute. Que vous détestez, c'est un truc, ça Ça, alors, je l'ai en horreur. Tout le système qui se met en place et qui peut vous broyer, vous tuer, vous tuer, ou vous faire en sorte que vous vous tuez vous-même. Et donc, quand moi qui aime beaucoup le pouvoir, je suis aussi près de ceux qui ont perdu le pouvoir, qui un jour étaient les héros, les gens dont mon métier se vantait d'aller partager un petit déjeuner ou un déjeuner, ou qui les croisaient, ils étaient tout fiers, et qui le jour où ils sont descendus du pouvoir, ils marchent dessus et ils n'existent plus. Moi, ça m'intéressait, ces histoires, les histoires, des aventures d'homme à homme, d'homme, et de voir quand les lumières s'éteignent, qu'est-ce qu'ils deviennent. On peut dire, on s'en fout, bien sûr, et on ne peut pas changer leur destin. Tant pis pour eux, ils ont échoué, Mais c'est intéressant de voir aussi cet aspect. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Victor Hugo qui dit, il y a des phrases par-ci, par-là, qui peuvent nous revenir en mémoire en allant vite. Victor Hugo dit « Quand les chacals viennent mordre le lion, c'est qu'il est mort. » Et moi, je dis « Ou qu'il le croit mort. » Parce que le lion peut dire aussi. Jean-Pierre, on n'a pas non plus parlé du Jean-Pierre Elkabbach, patron de France Télé. Hein, on se souvient, ça n'a pas été simple. Mais ce qu'on voit dans le livre, c'est qu'il y avait cette obsession de dire il faut innover, il faut tenir face à la concurrence du privé. Vous dites, quand je passe devant la maison, le bâtiment de France Télé aujourd'hui, je me souviens qui a amorcé le chantier. Vous avez pris du plaisir à diriger. Parce que là, on a entendu le reporter, l'intervieweur. De belles années, oui. Même si ça s'est terminé par des coups sur la tête, ça m'a intéressé. Parce que quand j'ai commencé, la télévision privée écrasait le service public. Et je me dis, vous payez la redevance, vous avez droit à une information de qualité, à des divertissements et des problèmes de qualité. Et donc, je me suis battu pour renouveler. Alors, on a dit, il a donné de l'argent à des animateurs. Mais je leur ai donné... en fonction de ce qu'il a rapporté à la télévision publique. Quand il ne rapportait pas d'argent, on les remerciait. Parce qu'il faut expliquer en deux mots. Le service public, à l'époque, c'était la redevance et la publicité. Et pour avoir la publicité, il fallait des programmes avec rajeunir, féminiser, etc. Et si vous ne le faisiez pas, vous descendiez. Et ceux qui vous avaient nommé, vous tirez dessus parce que vous n'étiez pas capable de remonter. Et nous, mais il y a l'autre aspect. Quand vous faites trop remonter et que vous gênez les intérêts de autres qui ramassent la publicité, eh bien, il se passe la même chose. On veut vite vous couper la tête et vous sortir du jeu. Et je suis fier d'avoir réformé. J'ai admiré les réformateurs. À mon petit niveau, quand j'avais un tout petit peu de pouvoir, j'ai essayé de rénover, d'innover, de réformer. Et en même temps, je suis content, par exemple, de voir qu'il y a encore des animateurs qui sont aujourd'hui. Et tu n'oses pas dire qu'on m'avait caricaturé le voleur de patates ou le distributeur de patates, d'argent. Aujourd'hui, j'ai laissé un trésor au service public et à la télévision publique parce que
la maison de France Télévisions. C'est moi qui l'ai voulu et qui l'ai fait construire, en choisissant, après un concours, les architectes. Et parce que il y a une anecdote très drôle sur le choix de l'architecte. Il y a une rencontre en disant... Je vais dire deux mots. On va vite. Mais quand je suis arrivé comme président, j'étais effaré de découvrir que France Télévisions, c'était dans 17 lieux de Paris. 17. Et pendant 3 ans, j'étais président, j'en ai visité 13, parce qu'il fallait passer la journée avec les gens qui étaient là, les techniciens, etc. Et il y avait aussi beaucoup de producteurs extérieurs qui s'en mettaient plein les poches. J'ai dit, moi, on va essayer de construire un ensemble assez vaste pour que la production, elle, se fasse en interne. Et il a fallu faire des travaux. C'était mon prédécesseur qui avait choisi le terrain, etc. Et à un moment, après un concours, il y avait deux, hein, c'est ça que tu fais allusion, il y avait deux projets. Et je ne savais pas comment choisir. Ce n'est pas mon métier, je ne savais pas. Et on disait que le président d'une entreprise publique ou même de l'État doit lui choisir. Je ne sais pas quoi faire. Et un jour, voyant Mitterrand, je lui dis, vous ne pouvez pas demander à M. Pey, l'architecte du Louvre, de me recevoir. Bon, il s'est arrangé. D'abord, il m'a fait la gueule, François Mitterrand. Puis après, il m'a facilité le contact. J'ai dîné avec l'architecte. Et je me rappelle, c'était chez Lippe. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez venir voir les maquettes? Non. Est-ce que vous voulez que je vous raconte les projets? Non. Je me disais, je pars ma soirée. Et puis, je ne veux pas d'argent. Je n'avais pas parlé d'argent, mais je ne veux pas d'argent. Je lui ai dit, mais alors, comment on choisit? Eh bien, je vais vous donner un conseil. Le conseil m'a servi longtemps. Vous allez les recevoir un après l'autre. Il y en a un qui va vous dire... L'architecte, c'est moi. Hein, c'est comme ça, vous ne le touchez pas. C'est comme ça, c'est mon projet. Et l'autre, il va venir, il va peut-être vous dire, je ne sais pas, on va construire, mais la construction, l'architecture, c'est du vivant. On va faire bouger le truc. Je ne sais pas. Celui-là, il faut le prendre. Celui qui est plein de certitudes, vous le foutez dehors. Et souvent, dans ma vie, je dis, celui... Je vais ajouter deux, trois anecdotes et après on arrête. On déborde, hein, Jean-Pierre. Comme d'habitude, mais on déborde. Deux, trois anecdotes. Et des phrases qui me restent et qui m'ont marqué. J'étais jeune journaliste, à Alger, il y a un soulèvement des étudiants et l'armée française tire. Michel Debré, premier ministre. Je raconte vite. Il obtient que le général de Gaulle le reçoive après 23 heures. 23 heures, de Gaulle disait, on dort. Il le reçoit. Et il arrive, Michel Debré, avec sa passion, sa colère, « mon général, le sang coule, Alger, le sang coule, Alger !» De Gaulle le regarde, « Laissez-le sécher, Debré. » Et toute ma carrière, souvent la phrase me revient. Après, j'ai vu quelqu'un, qui s'appelait Jacques Pilan, qui était un très fort, qui a beaucoup aidé François Mitterrand, puis après Jacques Chirac. Et il disait à peu près la même chose. Pas d'impulsivité. Quand vous êtes chef d'État ou chef d'entreprise, il ne faut pas répondre du tac au tac à la moindre des attaques. Et c'est ce type qui avait appris à Mitterrand, qui se faisait traiter de vieux, de voleur, de usurpateur du pouvoir, de sous-maire, de rien du tout à côté de De Gaulle, et qui lui disait « ne bougez pas, laissez passer une semaine, 15 jours, vous allez voir, ils vont tous tourner en rond, et ensuite, vous irez ». Alors, il y a cette... Et après, je raconte une dernière anecdote. C'est j'accompagnais le général de Gaulle en Amérique latine. C'est un chapitre en Amérique latine. Et en Argentine, bon, il y a des événements, il y a la population profite, elle était contre le pouvoir de l'époque, elle a la nostalgie de Perón, elle dit, bon, Perón, de Gaulle et Mismo Corazon, le même cas, bon, bref. Et le général de Gaulle, on lui dit, vous pouvez pas ne pas visiter une hacienda. Et alors, il va dans une hacienda. Et moi, j'avais toujours, vous verrez une photo, je suis toujours le général de Gaulle, toujours avec le micro, j'étais tout jeune, hein, toujours partout, derrière lui, il tournait la tête, j'étais là, de l'autre côté. Bon, j'étais entre lui et Yvonne, sa femme. Et on lui fait faire des chevaux qui tournent, des grands, des petits, des chevaux de course, des petits, des poneys, pendant 2 heures. Et je vois, elle le regardait comme ça, sous-entendu. Et à un moment, il tourne vers elle, il lui dit, Yvonne, un cheval et on s'en va. Alors souvent, je dis à ma femme, un cheval et on s'en va.
Bon, enfin, voilà, merci de votre patience, parce qu'il faut que je me taise. Merci beaucoup, voilà. Jean-Pierre.